Et La délivrance deliverance est un des aspects, one of the aspects des ministères de Jésus. En fait, un des aspects one des ministères de c'est la délivrance. Vous pouvez aussi les noter comme ça. Là, nous allons aller dans Marc, chapitre 1, verset 21. Marc, chapitre 1, verset 21. 21. Verse 21. Nous allons je vous dis que nous allons quand même lire c'est très read. important, sont les important. Choses, bien aimé les choses que nous sommes en train de voir sont des choses très très importantes et quand nous lisons nous les comprenons When we read it, ça, ça va beaucoup nous Marc chapitre 1 Mark, verset 1, 21, um, verse 21 jusqu'à 28 il se rendit à Capernaum et les jours du sabbat Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait 23. un esprit impur et qui s'écria Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Jésus de Nazareth 24. Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant « Tais-toi et sort de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient Seven. les uns aux autres « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que Une nouvelle doctrine Il commande avec autorité même aux esprits impurs. » Et ils lui obéissent et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environ, environnants de la Galilée. C'est de cette façon bien aimée que Jésus a commencé son ministère. His Il a commencé à traiter He started to treat des esprits impurs à les chasser. Vous savez, beaucoup de miracles du Nouveau Testament se sont passés comme des miracles dans l'Ancien Testament, mais nous pouvons remarquer une chose. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de ministères où on les démons. Si vous lisez demons, bien la Bible, il n'y well avait Bible, pas un prophète there wasn't, there wasn't un serviteur de Dieu qui avait le ministère des chassés et des voilà pourquoi on dit dans l'Ancien Testament que les gens étaient étonnés so were, um, les gens étaient étonnés. ils se demandaient nous they remarquons were, they were le verset 27 dit verse 27, tous furent saisis de stupéfaction des qui se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ça une nouvelle doctrine, and new il commande avec autorité, and même aux esprits impurs, il y et sa renommée s'est répandue partout. Puisque les gens dans l'Ancien Testament n'ont jamais vu Because ça. Ils étaient étonnés. So Quand Jésus est venu, came, il enseigne la parole, the il chasse les démons, nous allons les comprendre. We're going Donc, to understand. Ici on parle au verset 23, in verse 23 La Bible dit of Mark, Il se trouva dans leur synagogue Un homme qui avait un esprit impur Et, et qui s'écria Ici c'est dans une synagogue A Capernaum is in synagogue. Donc cet homme là On peut dire qu'il était sous l'influence so D'un esprit impur this Jésus entré de prêcher So Ce n'est ne, même pas l'homme qui a cri, qui crié ici, c'est l'esprit impur. The spirit. Puisque souvent les esprits impurs Because reconnaissent Jésus. Mais au verset 25, la Bible nous dit, 25, Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Donc il y a eu une manifestation spectaculaire. So manifestation spectacular. A agité l'homme. The Donc, vous savez, dans la synagogue, the so in the synagogue, il n'était pas supposé trouver les gens qui avaient les démons. Donc, dans the la synagogue, so the synagogue, tout le monde était supposé être pur. Mais Jésus, But quand Jesus, il a annoncé la parole, when he the le Saint-Esprit s'est manifesté. Donc le Saint-Esprit a touché cet so euh, homme. Les démons qui étaient dans cet homme s'est manifesté. Man Jésus n'a pas traité avec l'homme. Il a Jesus chassé les démons qui étaient dans l'homme. Mais ce que je voulais dire comprendre, c'était dans une synagogue. C'était dans une église. A a Donc la personne ici, so person c'était des Juifs orthodoxes. Des gens qui allaient à l'église Les gens a qui étaient normal church, comme nous a ici that was like Qui allaient à l'église Qui ne savaient même pas Qu'il avait un esprit Vous comprenez you Donc c'était quelqu'un yeah. de normal Mais le Saint-Esprit a dévoilé La présence invisible Des démons qui étaient à lui Je me rappelle, je vous ai déjà donné l'exemple ici plus d'une fois, je me mets For devant quelqu'un comme ça qui a, qui a des démons qui commence à parler. It. Plus d'une fois. Donc l'onction quand il y a la présence so, du Saint-Esprit, the les Ghost, démons peuvent se manifester. Mais ce que can je voulais manifest. que nous puissions comprendre ici, Jésus yes. n'a pas chassé les démons en Jesus dehors de l'Église. C'était dans une evening. Église. Quelqu'un de respectable. Qui Someone était là, là dans l'église, mais qui avait un problème. Amen, amen. Alors, quand nous allons dans Marc, toujours dans Marc chapitre 1, so Mark verset 32 1, à 34, la Bible va nous dire quelque chose. 32 à 34. Marc 1, 32 à 34, la Bible dit 1. Les soirs après les coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée 33. devant sa porte. Regardez le verset 34. Le verset 34, 34 est-ce que nous pouvons les lire can we read 34? Lisons ensemble. Let's read together. Il And guérit Jesus beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Diseases. Il chassa he aussi out beaucoup out de démons. Et il But ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils connaissaient. Amen. Donc les gens voient so un autre aspect. See Jésus guérissait les Jesus malades the sick et il chassait les démons. Amen, amen. C'est très important. It's very important. Parfois les gens se demandent, est-ce qu'un chrétien peut être possédé can, par, les, diables, par les démons? Non, un chrétien ne peut pas être possédé a par les démons. A Mais un But chrétien, d'abord, un chrétien est possédé par Jésus. Amen. Amen. Quand on parle de possédé, c'est comme un fou. Like crazy tu es person. possédé, tu n'as pas de... de, de, de you're you're uh, comment je peux dire? Tu n'as pas de volonté. Tu Need, Mais il y a certains chrétiens, nous devons être clairs là-dessus. Dans certains domaines de leur vie, in ils sont affectés life, par les démons. Est-ce que on se comprend Donc, c'est les domaines de leur vie où leur Is personnalité où ils n'ont pas le their plein contrôle. Vous voyez Quelque chose qui te domine that, something that dominates you. dans un domaine, nous in, allons les comprendre au fur et à mesure. Aspects. Donc, dans ce verset, nous voyons verse, Jésus en train de we traiter les Jesus maladies et chasser les démons en même temps. Nous avons lu le verset 34. Donc, written, uh, Donc Jésus uh, faisait red, régulièrement les ministères dans chaque synagogue. So ils prêchait et ils chassait les démons il guérissait le malades donc si aujourd'hui on peut nous dire no, 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 no. So today, on doit as parler de la délivrance si on peut enseigner sur la guérison divine, divine si way, on peut annoncer la, la bonne nouvelle de lévangile The good news. Nous devons aussi parler par rapport aux activités des démons. Parler mm. des esprits. Donc spirits. nous voyons Jésus so travailler comme ça. Work il guérissait, like il annonçait, il chassait, il annonçait la, la parole, il chassait He les démons. Donc nous voyons des religieux qui allaient à l'église, qui faisaient de bonnes actions so we dans leur vie. A Mais quelque part, un domaine de leur vie était occupé par well, les démons. Un domaine où il n'avait pas de contrôle. peut-être c'était dans leur physique, business, dans leurs émotions, dans leurs désirs physiques ou dans leurs pensées. Dans un domaine. Donc, domain. si nous regardons d'abord ces sujets plus près, so bien aimé, closely, nous allons nous débarrasser des préjugés. We can que nous avons take parfois away the sur des gens qui peuvent être dans l'église. On fait des prières de délivrance, We on commence à faire des prières d'autorité. Tu peux voir quelqu'un qui tombe, et ce qu'il sort de lui, When Ne le juge pas. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Comes? Nous voyons ces juifs-là, ah, dans lesquels Jésus a chassé les démons, il était Where assis dans la synagogue. Synagogue. Il ne savait pas qu'il avait he un problème. Mais il y avait un démon. Mm -hmm. Donc nous pouvons voir ici que le ministère des guérisons était lié au ministère de la délivrance. Est-ce que nous sommes en train de voir donc, il est arrivé des moments où Jésus impose les mains aux gens qui avaient les démons. Et les démons coming Nous allons les voir ici. Allons dans Luc chapitre 13. In Luke chapitre 13. Luke, chapter 13, Luke chapter 13. Verse 10. Verse 10, uh, Jusqu'à 16. to Donc, so from 10 to 16. Nous allons lire. We're going to read. Jésus enseignait dans une synagogue. Non, Jésus enseignait dans une des synagogues. Le jour du sabbat. Donc, et voici. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait it. infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la 12. parole et lui dit :« Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. 13. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit Saba. Dis à la foule :« Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours du sabbat. » Jésus lui dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire Et cette femme Merci. qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat Amen, peuple de Dieu. C'était dans une synagogue. C'était dans une église. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alors, Jésus a so vu cette Jesus femme. Saw this Jésus woman lui impose lui les mains. And put his Donc, hands. cette femme devrait être comme ça. Vous voyez des maladies qui sont parfois des bosses comme ça, je crois. Those Alors, backs. Jésus l'a vu. So Jesus saw her Il lui a imposé les mains. And put her hands. Elle s'est redressée. Et l'esprit est parti. Ici, Jésus n'a même pas menacé. Here, Jesus didn't threaten Il lui a her. imposé les mains. He did, he Donc, cette femme bien-aimée, bien elle head. était croyante. She was a believer. Elle C'est une juive. C'est une was membre Jewish. du synagogue. synagogue. C'était, c'était membre de l'église. Mais qui était malade. Elle avait un problème physique. A physical problem. son dos était courbé c'est comme on peut être là quelqu'un qui a un problème physique qui les fait souffrir that makes them donc ce problème était causé par qui so, what was the cause? vous avez remarqué qui avait causé ce problème c'était you know? causé par qui par un esprit c'était causé by a par l'esprit d'infirmité donc, quand l'esprit d'infirmité était parti, la femme s'est redressée. When Donc, out, peuple de Dieu, cela demande vraiment le discernement. Il, il y a certains problèmes qui semblent être physiques, mais be, des problèmes uh, physical, qui sont causés par des esprits impurs. Regardez, revenons par exemple ici. Let's go back to Verset 16. Et Verse voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Des choses, 18. parfois, les gens qui souffrent d'une maladie pendant un certain moment à l'église. Parfois, on peut voir une maladie comme ça, on Sometimes dit, oh, c'est la volonté sickness. de Dieu. Oh, um, from the will of God. Non, c'était pas la volonté de Dieu. Will of God. Donc, vous allez voir que so dans la Bible, je ne veux pas prendre beaucoup d'exemples de, 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 il y en a beaucoup. Nous voyons Jésus a traité des muets. Jésus a traité des sourds. Jésus a traité des épileptiques. Jesus has healed Et death. quand il, il est traité, death, are are on voit qu'il chasse l'esprit des sourds. L'esprit des mythes, l'esprit d'épilepsie. il chasse et, les chassent, et la personne epilepsy. est guérie. And the person Amen. Donc, dans l'Église, les démons peuvent opérer dans des gens. Et regardez ce que Jésus dit ici, toujours dans Luc 13, 13... verset 31 à 32... verset 31 à 32... Luc 13 verset 31 à 32... la Bible va nous dire ceci... ce même jour... quelques pharisiens verts lui disent... va-t'en... pars d'ici car... Hérode va te tuer... regardez ce que Jésus répond... 32. il est répondu... allez... Et dit à Serena, mm -hmm. Jésus avait parfois des réponses. Hein? Mm -hmm. Allez, et dites à Serena, voici, je chasse les démons, mm -hmm. je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Donc, Jésus dit quoi? So Jésus a dit, said, il fait des choses. He did two things. Il chasse les démons et il opère he healed, des guérisons. He the, the that amen, amen. C'est très clair là-dessus. Alors, quand si on dit non, on ne peut pas parler de ces choses à l'église, so je when crois que no, c'est une erreur. Donc, tous les ministères mistake, de Jésus, du début à la, la fin, incluaient ces deux parties la guérison de malades the heal, the healing of the sick et chasser les démons and chasing les deux étaient mêlés Those were at the same time. donc dans le nouveau so testament nous voyons que personne n'était envoyé pour évangéliser sans pour autant être chargé de traiter les, 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 les problèmes des démons, de chasser les démons. Nous allons les voir. Allons dans Matthieu, Matthew, chapitre 10, 10 verset 1. Verse 1. Quand Jésus envoie ses disciples, When Jesus his disciples, il va dire, Matthieu chapitre 10, verset 1, la Bible va nous dire ceci. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Donc, on peut appeler les esprits impurs comme nous voulons. We can call Donc, il leur donne le pouvoir want. de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen C'est très clair. It's very clear le verset 5, verse. toujours dans le même chapitre. Verse 5, Allons dans le verset dans le verset euh, 10, 5, I mean, verse 5. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez, écoutez ce que le Seigneur dit. Allez, prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ici, c'était avant que notre Seigneur because, soit purifié. Il crucified. choisit les disciples. Regardez le pouvoir qu'il leur donne. Il dit vous allez prêcher la bonne nouvelle. He said you're going to, malades, you're going to heal mais the Mais aussi, but also Donc chasser les démons. Donc, chasse les démons so, était inclus dans l'équipement de la mission des disciples. In the mission of the disciples. C'est notre équipement aussi. It's all, also our equipment. Alors, Jésus n'a pas donné seulement aux douze. So he didn't just Puisque give it to Jésus, Jésus n'avait pas seulement douze disciples, il en avait he, beaucoup. Il a lot Luc, of dis, di, uh, Luc, disciples. chapitre 10, in Luke, verset chapter un, 10, verse 1, Luc chapitre 10, verset 1 nous dit ceci. It says, Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Mm -hmm. Vous voyez You see that 72 en dehors des douze, le Seigneur choisit encore soixante Alors, il dit, « Et il leur envoya des adhérents devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc, Luc nous parle de l'envoi des 70 disciples ici. So Mais Luke verset 17, toujours 72. dans le même chapitre, allons au verset 17. So Qu'est-ce verse que 17 la Bible va nous dire? Les 70 dix Revenir avec joie. Veut dire de leur mission quand ils sont revenus. Disant, il dit au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Lord, even the demons Regardez, to les us 70 in your name. sont partis. Un so des ministères, un des aspects des ministères qu'ils ont fait. Ils ont guéri, ils ont d'abord, ils annoncent la they parole. Announced the word of God. Mais, ils guérissaient les Ils chassaient aussi les, les démons... Amen... Donc ils avaient l'autorité ils avaient so sur les démons... Nous allons voir... En dehors so des disciples que Jésus a envoyés... Jésus donne l'autorité à He tout le monde... To pour chasser everyone, dans chase ta maison... Quand il sent house, quelque chose qui cloche... Tu as l'autorité. Nous allons lire dans Marc, chapitre 16. In Mark, verset. 16. Nous allons aller jusqu'au verset 20. Vous savez, nous, nous étudions. Hein? Dans notre église, nous étudions. In our church, we study. <laughs> On ne va pas faire des, des versets. On étudie. Nous comprenons ces choses. Puisque tu peux aussi les enseigner. Tu les comprends bien. Donc, dans Marc, chapitre 16, Mark, 16. Nous allons aller jusqu'au. Verset 20. Ici, je voulais nous signaler que c'est après la résurrection de Jésus. Regarde après la résurrection c'est qu'il revient. Resurrection que quelqu'un puisse nous les lire. Nous allons Marc chapitre 15, verset non, 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 16, 15, 15 à 20. 15, que quelqu'un puisse nous les lire. Mark 16, 15, On fait les ministères 20, ensemble. 20. Faisons les ministères ensemble ça fait du bien que quelqu'un puisse aussi lire Amen regardez ici Jésus est ressuscité Here, les dernières paroles qu'il est en train de dire selon Marc est en train In de Mark, dire à ses disciples il dit disciples, allez partout, partout, partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la Christi veut dire c'est lui qui news. croira et qui sera Those who baptisés seront sauvés. Mais celui will be qui ne croira saved. pas sera condamné. Do, do Mais maintenant, le Seigneur nous dit, quand vous allez prêcher, les gens qui vont accepter, euh, qui vont se faire baptiser seront sauvés. So Et les gens qui ne croiront pas seront condamnés. Mais maintenant, le Seigneur est en train de, 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 de nous parler de ce qui va se passer avec les gens qui ont cru. So he will now tell us what will happen to those that will attention. believe. We're not talking about a pastor. Parle pas bishop, We're not talking about a bishop de qui que ce or a apostle. Soit prophet ici. No, or this is the prophet. People de God. We're going le to reread verse 17. Relisons ensemble. Let's read voici le miracle qui accompagneront will ceux qui auront cru en mon In nom. Name, ils chasseront les démons. On s'arrête là. Est-ce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront des pasteurs, mm -hmm. ceux qui auront cru dans l'Évangile, ceux qui auront accepté Jésus? Those who accepted, veut dire que tout le monde qui accepte Jésus tout le monde qui croit Jesus, en Jésus Christ qui l'a accepté comme Jesus son propre sommet, Seigneur peut utiliser and they can use, exercer l'autorité de Christ utiliser Christ, le nom de Jésus dans sa vie, Jesus, dans sa maison, of Jesus, dans sa famille lives, ils chassent les démons les et les démons to, to, and vont obéir demons. On n'a pas dit ici que tu dois appeler un ancien de l'église. Appelle Pasteur Victoire, c'est c'est elle qui doit chasser les démons. Non, to tout le monde. Demons. No, you yourself, everybody, everybody, everybody. Donc, il dit chase demons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En premier lieu, qu'est-ce que le, le Seigneur dit En premier lieu, le miracle, le premier say? miracle, quoi dites non. Chasser Chase les démons is the first thing. C'est clair. The first miracle. Ils vont guérir les malades who He will heal <laughs> the sick. Chasser les démons. Mm. <laughs> Donc c'est le premier signe dans la mission It's the first sign où Jésus donnait à ses disciples c'est chasser les démons. Donc la mission de Jésus consistait so à évangéliser To preach Et être équipé pour chasser to les démons. Donc, quand on dit un chrétien peut-il être possédé, so say, can Christians, can Christians be poss on nous demande possessed? ça souvent. Vous devez avoir en tête That's que, que c'est non dans le sens qu'un chrétien appartient au Seigneur Jésus. So you need to understand that a Christian uh, belongs to Quelqu'un qui a à Jésus ne peut pas appartenir au diable. A Christian cannot Donc. belong to Satan and also belong to Christ. Mais ce qui n'exclut pas comme on l'avait vu so, qu'il puisse y avoir whatever, des domaines et des qui soient contrôlés par des esprits impurs. Si des portes, s'il y avait des portes ouvertes. If there was a door that was open. Donc les chrétiens appartiennent à Christ. So the il Christ. a choisi Jésus comme son propre sauveur et seigneur, il est né de nouveau. Cho Mais malgré cela, But, however, il peut y avoir des aspects de sa vie et de sa personnalité que le Saint-Esprit et la nature de Christ n'ont pas été investis complètement. Donc, so, c'est très important is que nous puissions comprendre. We Le Saint Esprit est là pour travailler dans Ghost les domaines où nous avons des faiblesses ou des points faibles pour nous aider à être complètement libre. To Amen. Not the Donc, Bible, on va continuer ceci. Aujourd'hui, c'est que so j'ai voulu que nous puissions comprendre un des aspects du ministère de Jésus. C'était des de démons it was a On peut vous dire, demons. oh non, cette affaire-là, des délimites, vous parlez tout ça. De... You know no. On ne doit pas this. passer notre temps à l'église de parler des démons ou des démons, Mais on doit en enseigner. Les gens it. doivent we les savoir. Puisque la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances, les lack. gens sont détruits. Vous savez, Satan est en train de détruire The les chrétiens... Des problèmes de maladie, des problèmes de ceci, des problèmes de Aveuglement. Non, nous devons parler de ces so choses. Pour things. que les gens se réveillent. So non seulement vous réveillez, mais vous devez prendre autorité to le seigneur authority. nous a dit quoi il faut les chasser c'est le miracle qui accompagne ce que dans un domaine de ta vie où tu vois que tu n'as pas de contrôle hein? tu es tout In le temps influencé, influencé. utilise le discernement Lise et chasse refuse. The La Bible nous dit résister au God. diable, il Resist fuira loin de, de, de vous. vous. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous allons terminer ici, so mais prochainement, nous allons this. continuer pour que nous puissions aussi prier. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.